السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي وفي حصة جديدة من سلسلة تعلم الفرنسية عن طريق القصص. سيكون هذا الجزء الثالث من قصة Un jouet merveilleux suite. إذن كالعادة سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص قبل القراءة. Tout là-haut, هناك فوق. Du secours, المساعدة. Il réussit, ينجح. Les fils électriques, الخيوط الكهربائية. Un looping, حلقة أو دائرة. Le choc, الاصطدام. En choisissant, باختيار. Le gérondif. Brisé, يعني مكسر. Choisissant, c'est le participe présent du verbe choisir. Excellent. ممتاز. Essayez, يحاول. 380. Un accordéon, c'est un instrument de musique. Elle a musiqia, تسمى accordéon. إذن لنبدأ كالعادة حاولوا أن تفهموا القصة وانتبهوا إلى طريقة نطق الكلمات. Voilà l'avion perché tout là-haut, près de la cheminée. Jean-Pierre court chercher du secours devant toute la famille revenue dans le pré. L'oncle Jean, armé d'une longue perche, grimpe sur une échelle et réussit à faire glisser l'avion tout le long du toit. Maintenant, va jouer plus loin et tâche de ne plus l'envoyer par ici. Voici Jean-Pierre de nouveau seul. Cette fois, il s'en va loin des toits, loin des arbres et des fils électriques. Rien ne pourra gêner l'avion. Mais en tombant sur le toit, celui-ci a dû se dérégler. À peine lancé, il monte à la verticale, fait un magnifique looping et revient s'écraser juste au pied de Jean-Pierre. Le choc a été brutal et une aile s'est cassée. Jean-Pierre court à la maison. En le voyant arriver, l'oncle Jean pense qu'il a eu une bien mauvaise idée en choisissant ce cadeau. Enfin, avec beaucoup de colle, de papier collant et de papier journal, on réussit à réparer l'aile brisée. Jean-Pierre regagne son champ d'aviation. La réparation est excellente et l'avion vole presque mieux qu'avant. À chaque fois, maintenant, Jean-Pierre remonte un peu plus le moteur pour faire durer le vol plus longtemps. 200, 300 tours. Pourquoi ne pas essayer 400? 380, 380. Tout à coup, crac! Dans un bruit terrible, la carlingue s'est brisée et aplatie en accordéon. Elle n'a pas résisté au caoutchouc trop tendu. En pleurs, Jean-Pierre revient à la maison. Écoute, lui dit l'oncle Jean, ça ne fait rien. Ne pleure pas. Demain, je t'achèterai une petite auto. Ça durera plus longtemps et ton père sera plus tranquille. إذن الآن سنعيد قراءة القصة مع الشرح. Voilà l'avion perché tout là-haut. إذن ها هي الطائرة معلقة هنا فوق. Près de la cheminée. بقرب المدخنة. Jean-Pierre court chercher du secours. إذن Jean-Pierre هناك يعني
يجري ليبحث عن المساعدة. Devant toute la famille revenue dans le pré, أمام العائلة كلها التي عادت إلى الملعى أو إلى ذلك الحقل, l'oncle Jean armé d'une longue perche. L'oncle Jean, العم Jean, المسلح armé, مسلح بعصا طويلة, une longue perche, grimpe sur une échelle, يعني يصعد أو يتسلق سلم, une échelle, et réussit à faire glisser l'avion tout le long du toit. وينجح في جعل السيارة تنزلق, à faire glisser l'avion tout le long du toit, على طول السقف. Maintenant, va jouer plus loin. يقول لجان-بيير الآن اذهب العب بعيدا. Maintenant, va jouer plus loin. Et tâche de ne plus l'envoyer par ici. وحاول, le verbe tâcher. Et tâche de ne plus l'envoyer par ici. حاول ألا ترسلها إلى هنا. Voici Jean-Pierre de nouveau seul. ها هو Jean-Pierre وحيد مرة أخرى. لوحده مرة أخرى. Cette fois, هذه المرة, il s'en va loin de toi. يعني يغادر أو يذهب بعيدا عن يعني الأسقف. Loin des arbres, بعيد عن الأشجار, et des fils électriques, وعن الخيوط الكهربائية. Rien ne pourra gêner l'avion. ليس هناك شيء سيستطيع أن يزعج السيارة. Gêner l'avion. Mais en tombant sur le toit, لكن وهي تسقط على السقف, celui-ci, بمعنى l'avion, a dû se dérégler. بمعنى لابد أنها تعطلت. A dû se dérégler. À peine lancé, بمعنى بالكادي تم إطلاقها, il monte à la verticale. يعني تصعد بشكل عمودي. Fait un magnifique looping, يعني تقوم بدورة أو بحلقة دائرية رائعة. Et revient s'écraser juste au pied de Jean-Pierre. Et revient s'écraser. وتعود مرة أخرى لتصطدم. S'écraser. Juste au pied de Jean-Pierre. عند قدمي Jean-Pierre. Le choc a été brutal. يعني الصدمة كانت قاسية أو عنيفة. A été brutal. Et une aile s'est cassée. وجناح جناح الطائرة تكسر. S'est cassé. Jean-Pierre court à la maison. Jean-Pierre يجري إلى المنزل. En le voyant arriver, يعني برؤيته وهو يصل, l'oncle Jean, العم Jean, pense qu'il a eu une bien mauvaise idée. يعني فكر بأنها كانت فكرة جد سيئة باختياره لهذه الهدية, en choisissant ce cadeau. Enfin, avec beaucoup de colle, de papier collant et de papier journal, on réussit à réparer l'aile brisée. يعني أخيرا مع الكثير من اللاصق, la colle, le papier collant, يعني الورق اللاصق, le papier journal, ورق الجرائد, on réussit à réparer l'aile brisée. يعني تمكنوا من إصلاح الجناح المكسر. Jean-Pierre regagne son champ d'aviation. يعود مرة أخرى إلى حقل الطيران. La réparation est excellente et l'avion vole presque mieux qu'avant. يعني الإصلاح كان ممتازا والطائرة يعني تحلق تقريبا أفضل من السابق. Mieux qu'avant. À chaque fois, في كل مرة, maintenant, Jean-Pierre remonte un peu plus le moteur.
يعني في كل مرة جامبيير يصعد أكثر المحرك pour faire durer le vol plus longtemps لكي يجعل يعني الطيران يدوم لمدة أطول 200 200 300 tours 300 دورة. Pourquoi ne pas essayer 400 لماذا لا نجرب 400 381 tout à coup crac فجأة tout à coup crac dans un bruit terrible في ضجيج رهيب la carlingue s'est brisée la carlingue قلنا في الحصة الماضية هي المقصورة مقصورة الطائرة s'est brisée et aplatie en accordéon يعني تكسرت s'est brisée وتتسطح على الأرض كآلة الموسيقى et aplatie en accordéon elle n'a pas résisté au caoutchouc trop tendu لم تقاوم n'a pas résisté لم تقاوم المطاط المشدود بقوة en pleurs يعني بالبكاء Jean-Pierre revient à la maison écoute lui dit l'oncle Jean يعني يقول له العم جون اسمع ça ne fait rien هذا لا يهم أو لا عليك ne pleure pas لا تبكي demain je t'achèterai une petite auto الغد سأشتري لك سيارة صغيرة ça durera plus longtemps يعني هذه السيارة ستدوم لمدة أطول et ton père sera plus tranquille وأبوك سيكون في هدوء أكثر أو في راحة أكثر إذن هنا تنتهي هذه القصة سننتقل الآن إلى حصة vocabulaire dérégler c'est le contraire de régler يعني régler بمعنى يسوي أو يضبط dérégler c'est le contraire certaines parties de l'avion ne sont plus à leur place l'avion est déréglé à peine lancé يعني بمعنى aussitôt qu'il est lancé حالما انطلقت un looping l'avion fait un tour complet sur lui-même en volant et تقوم بدورة على نفسها تسمى un looping سنمر الآن إلى فقرة les phrases réussir à لدينا عبارة réussir à il réussit à faire glisser l'avion ينجح في جعل الطائرة تنزلق à faire glisser l'avion exemple un autre exemple j'ai enfin réussi à ouvrir cette boîte نجحت أخيرا في فتح هذه العلبة j'ai enfin réussi à ouvrir cette boîte un autre exemple je n'ai pas réussi à trouver la solution alors réussi à faire quelque chose ينجح في شيء ما nous avons réussi à faire voler l'avion نجحنا في جعل الطائرة تنجح أو تطير j'ai réussi à le réparer نجحت في إصلاحها لدينا عبارة fois la première fois المرة الأولى fois هي المرة la deuxième fois المرة الثانية la dernière fois المرة الأخيرة il a réussi une nouvelle fois à sauter par-dessus le mur tu as menti encore une fois الآن سنمر إلى فقرة l'orthographe M devant B, P et M. إذن لدينا هنا قاعدة تقول La règle dit devant un B, un P et un M le N devient M. هذه هي القاعدة. Exemple tomber un timbre trembler embrasser
pomper, le temps, emporter, grimper, tremper, emmener, une jambe, la chambre, ressembler. الآن سنمر إلى فقرة la conjugaison, le verbe vendre au futur. إذن فعل يبيع في المستقبل, le futur. Je vendrai des fleurs. أنا سأبيع ورودا أو أزهارا. Tu vendras des fleurs. هو سيبيع. Il vendra des fleurs. Elle vendra des fleurs. هي ستبيع. Nous vendrons des fleurs. نحن سنبيع. Vous vendrez des fleurs. أنتم ستبيعون أزهارا. Ils vendront des fleurs. Elles vendront des fleurs. هنا سيبيعنا أزهارا. إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم وتعلمتم أشياء كثيرة. لا تنسونا بدعمكم بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو وكتابة تعليق في أسفل الفيديو.